Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du MSI Aegis X3, donc un PC gamer de chez MSI. Donc une machine déjà au premier abord qui est plutôt sympathique niveau esthétique, mais surtout qui va avoir une configuration plus qu'agréable pour les jeux. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? On va retrouver donc les dernières technologies Intel et Nvidia, donc les séries 7 en processeur et les séries 10 donc en carte graphique. Donc avec un processeur Intel Core i7 7700 ainsi que 16 Go de RAM en DDR4. On va avoir un SSD 256 Go en port M2. On va avoir un disque dur 2 Tera qui va venir épauler pour le stockage. Donc c'est plutôt sympa quand vous avez beaucoup de jeux à stocker et pour passer un petit peu en outre de la limitation des SSD. Ensuite vous allez avoir la carte graphique qui est une GTX 1080 en 8 Go, donc aujourd'hui qui est, on va dire, l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure carte graphique du moment. Donc voilà un petit peu au niveau de la configuration. Comme sur tous les PC de la gamme MSI, maintenant, on va dire une grande partie, vous allez avoir un pré-équipement VR. Alors là-dessus, ça va se traduire par des HDMI dédiés, avec un HDMI ici en façade et un HDMI qu'on va retrouver directement derrière, dédié à la VR. Donc une connectique vraiment écran assez fournie. Donc on va voir un petit peu comment il se présente derrière. Voilà, donc voilà la machine vue de derrière. Donc on va retrouver toute la connectique carte mère, donc une connectique très complète. Vous aurez ici tous les ports entrée et sortie son avec un port digital, donc en fibre. Ensuite, vous avez ici les deux antennes Wi-Fi, donc qui sont fournies avec, j'ai pas monté, mais qui sont fournies avec le PC. Donc voilà, donc Wi-Fi intégré. Pareil que sur les PC portables, hein, donc vous avez quand même un Wi-Fi de très très bonne qualité. Ensuite, on va retrouver 6 ports USB en USB 3, ainsi que 2 ports USB 2, un port PS2, bon, qui pour moi aujourd'hui est complètement dépassé, mais ils ont fait l'effort d'en mettre un. Un HDMI, lui par contre, qui est l'HDMI d'origine de la carte mère. Ici, on retrouve la GTX 1080, donc qui va avoir 3 ports DisplayPort, un port HDMI, un port DVI. On va pouvoir faire donc un tri écran sans problème, même y mettre 4 écrans sans aucun souci. Ici, on retrouve encore le fameux port donc VR pour brancher votre casque de réalité virtuelle. Donc voilà, donc machine plutôt sympathique déjà dans son design. Dans les performances, on verra un petit peu dans une deuxième partie. On verra avec donc du benchmark comme d'habitude. Hein, je vous mettrai ça en image de fond. Donc voilà. Voilà, vraiment moi ce que j'ai retenu sur cette machine-là, c'est vraiment ce design qui est, je vais dire quand même assez atypique, qu'on voit pas forcément, mais qui est vraiment sympathique. J'avais déjà aimé le Vortex, mais là on est dans un style complètement différent. À savoir que c'est une tour qui est pas très encombrante. Il faut savoir qu'ils ont fait toute une ligne de cette gamme-là. Donc celui-ci c'est le X3. Il en existe toute une gamme d'Aegis. Vous avez les TI3 qui sont aussi assez sympathiques. Donc vraiment toute une gamme de tours gamer qui se rapproche en fait d'un PC assemblé. Parce que vous allez retrouver vraiment les mêmes composants que si vous aviez assemblé votre PC avec des composants MSI. Donc franchement c'est quelque chose qui est plutôt sympa là-dessus. Ça offre quand même de très très bonnes performances. La 1080 fonctionne vraiment très 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 bien. La ventilation, on va dire, est modérée. C'est sûr que ça reste quand même assez bruyant. Il faut quand même refroidir la machine. Mais ça reste assez modéré. Mais vous pourrez quand même utiliser de très très bonnes performances. Moi j'ai pu tester, donc comme d'habitude, hein, je fais le test avec GTA 5. Donc avec GTA 5, très sincèrement, j'ai pu sans problème tout mettre à fond, tout en ultra, activer toutes les options possibles imaginables et avoir une fluidité parfaite. Et donc voilà, franchement une config aujourd'hui qui est excellente. On n'a pas un SLI non plus comme on a pu avoir sur la Vortex, mais aujourd'hui pour un gamer,
franchement, c'est une machine qui vous permettra de, ben, voilà, de, d'aller chercher de, les performances donc assez loin quand même. Hein. Donc voilà, donc, franchement, très très bonne machine. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme particularité? On va avoir un mode d'éclairage. Donc vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo qui tourne. Donc un petit... voilà, qui est un système d'éclairage donc qui change, qui est un petit peu partout sur la tour. Au niveau design, on va retrouver donc quand même une finition pour moi qui est vraiment très très bonne. Vous pourrez le voir ici avec les arêtes. Vous avez en fait une espèce d'imitation imitation carbone qui est vraiment sympathique. Vous allez retrouver de part et d'autre les connectiques. Hein. Ici, vous allez avoir votre connectique casque avec l'entrée micro, la sortie casque. Ici, vous allez retrouver encore deux ports USB 3 ainsi qu'un port USB type C. Et donc, comme je vous avais dit, le HDMI dédié à la VR en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, un bon report. Ici, vous avez, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez un graveur DVD. Donc voilà, c'est vraiment la fonction de tour. Ici, ils ont choisi de greffer. Je pense que c'est des poignées de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, vous en avez de chaque côté. Je vais être très sincère, j'ai pas encore vraiment su exactement à quoi ça correspondait, mais voilà, je traduis ça comme des poignées. Vous en avez une derrière ici. Celle-ci par contre est en aluminium et assez costaud. L'alimentation, elle se loge dans le pied en fait, tout simplement. Donc voilà, franchement un concept assez sympathique. Moi vraiment je trouve que cette machine là a un design qui est un petit peu à part de ce qu'on peut voir d'habitude, mais qui est vraiment très 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 sympa. Voilà, bon, j'ai vraiment accroché là-dessus. Derrière, les performances sont là. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude chez MSI, j'ai jamais été encore trop déçu, à part sur le Gaming 24, comme on avait parlé, pour la 4K et la carte graphique qui n'était pas forcément au top. Ici, on n'a pas ce souci-là. Comme je dis, on a de la série 7, donc de chez Intel, et de la GTX 1080 en 8Go. Ça fonctionne parfaitement. Franchement, ça fonctionne très bien. Donc très très bonne machine là-dessus. Écoutez, que dire de plus dans l'utilisation? Bon, j'ai pas vraiment eu de soucis. Franchement, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Bon, après, comme on teste pas mal de produits, on se retrouve un petit peu sur, je vais pas dire la même chose, mais bon, on commence à, voilà, à retrouver un petit peu les habitudes de chez MSI. Sur de la tour, bon, c'est assez nouveau. Moi, je vous ai principalement présenté du PC portable. De la tour, c'est vrai que ça fait pas très très longtemps que je vous en présente. C'est la deuxième avec la Vortex. Et franchement, je suis pas déçu de ce que peut faire MSI sur ce genre de machine. Donc voilà, pas vraiment de points négatifs. À part sur la ventilation, j'ai remarqué. Donc, c'est pas une ventilation qui est extrêmement bruyante. Par contre, malheureusement, c'est une tour qui souffre de problèmes de vibration. Alors, j'ai pas réussi à trop déterminer d'où, mais de temps en temps, la ventilation fait en fait que les parois, tout ça, à certains endroits peuvent se mettre à vibrer. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que autant on a quand même une belle qualité de finition en visuel, autant dans l'assemblage. Voilà, je sais pas si vous pouvez entendre, mais on sent que ça plaque pas parfaitement, ça vibre un petit peu et ça s'entend. Parce que de temps en temps, j'avais la ventilation qui se forçait pas, qui augmentait pas forcément, mais qui on avait cette vibration qui venait, qui rentrait en compte, et ça c'est un petit peu dommage. Après, sinon, elle est quand même efficace. Hein. J'ai pas remarqué du surchauffe ou autre. Une ventilation vraiment très efficace. Donc voilà pour cette machine. Petit aparté, tant que j'y suis, j'ai oublié d'en parler en début de vidéo. Voilà, s'il y a des chances que sur cette vidéo là vous ayez un petit manque de qualité de passager, voilà, parce que je viens de changer mon appareil, je suis passé sur un réflexe, je suis encore aux premières vidéos et aux premiers réglages, donc j'essaie d'ajuster ça petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire au mieux, de revoir mes éclairages si besoin. Et voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos dans les temps qui arrivent, peut-être pas cette semaine ça va être encore un petit peu limite. Par contre, la semaine prochaine, je pense que je vais redémarrer un petit peu les tutos et vous faire un petit peu plus de vidéos, parce que là c'est vrai que j'avais freiné un petit peu le rythme ces derniers temps.
Mais voilà, là j'ai tout ce qu'il faut là pour les prochaines vidéos, donc je vais vous faire un petit peu tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à... Donc si vous avez des questions dans les commentaires, je passe juste un petit message, mais je ferai une vidéo dédiée. Sachez que pour le concours du SteelSeries, donc le Siberia 350, ce que je vais faire, comme j'avais mis un objectif sur les likes, mais ce que je vais faire, bon, il y a quand même eu de la participation, mais je vais plutôt mettre une date butoir maintenant, parce que comme on a laissé quand même la vidéo depuis un moment, je vais relancer quelques coups de pub dessus et je vous fais un résultat pour cette vidéo là, donc un tirage au sort, je pense fin juin. Voilà, ça vous fera un petit casse gamer pour profiter de l'été. Donc voilà, j'ai pas encore fixé de date précise, mais bon, je vous ferai une petite vidéo dédiée pour tout ça. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.